Voilà, galipette de Shepard pour éviter le caillou. Hop, petite galipette. Je crois qu'on va devoir trouver une autre issue. Allez. C'était quoi ce bruit, Shepard? Ça avait l'air sérieux. Un affaissement. On n'a rien. Tant mieux. J'aurais pas aimé devoir vous extraire de là. Vous heurtez ma sensibilité, Grunt. Ouais, ouais. Shepard, je sais ce qui est arrivé aux éclaireurs. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ils ont été attaqués. Le chef les a envoyés porter les armes au fin fond de la caverne. Ils savaient que l'équipe suivante aurait besoin d'un coup de main. Ils sont morts en s'assurant que nous pourrions atteindre la salle centrale. Venez. Cramer tous les œufs. Je sais pas si ça a quelque chose de cramer tous les œufs. Merde, je vais m'exploser la tête. Voilà. Un petit barbecue draki. Très bien, tout a explosé. Là, c'est l'endroit où on est venu. Ah oui, d'accord, moi je passais par en dessous. J'aurais pu passer par là. Alors, il n'y a rien par ici. Il y a une toile. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette toile? Oui, 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 oui. Technologie des moissonneurs, récupérée. Merci, 3700 crédits en plus. Par contre, j'ai bientôt plus de lance-flamme. Et j'en retrouve un. Attention. Quoi? Ah. Oh, Garus. Garus, la la gâchette facile, quoi. Merde, j'ai plus de lance-flamme. Et personne a des munitions incendiaires ou des conneries comme ça. Compris. Est-ce que tu m'as laissé cadavre de Krogan? Il y a un dernier message. Demande qu'on le donne à une Asari de la citadelle nommée Ereba. D'accord. Bah, la prochaine fois qu'on ira à la citadelle, on ira donner le message. J'ai rien ici. Apparemment, non. Voilà, un petit lance-flamme. C'est efficace la vache contre les armures son truc. Oh là là, j'ai même pas vu venir. Mettez la pression. Ok, bien joué les gars. Elle est pas mal son arme à Javik. Ok, on a bien fait le ménage. On doit plus être loin, Shepard. Ces salopards étaient courriers. Alors, l'onde de choc, c'est vachement pratique, mais par contre, qu'est-ce que c'est long à recharger? Un Krogan en colère est d'autant plus efficace. Non, faut que je passe par où là? Par où voulez-vous que je passe? Sûrement par là.
Ah là, voilà, j'ai pas vu ça. Ok, une amélioration pour le fusil à pompe, je prends. Non, il explose pas. Module de gestation. Putain, mais y'en a combien de ces cochonneries? Ah, cool, lance-flamme. Je suis d'accord. Et ils envoient toutes leurs forces contre nous pour qu'on n'atteigne pas le nez. Ah, une spalière. Faut que je pense à changer d'armure aussi la prochaine fois que je viens dans le Normandie. Et que je finisse d'économiser pour m'acheter des super armures à la citadelle la prochaine fois aussi. Allez, bande de raclures, viens goûter à mon lance-flamme. Cochonneries. Trouver la chambre centrale. On va tomber sur une reine. Un truc du genre. Je parle, on est bloqué. Ils nous envahissent. Très vite, je parle. Il est complètement fou. Bah, prends ton arme là au lieu de vouloir faire le. Le ouf. Allez! Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Merci, Shepard. C'était pas la toile qui nous bloquait, mais cette barrière. Oui, on a été bloqué aussi. Les Rachnis sont repliés, mais l'odeur du sang va les faire revenir. Ils devraient revenir bientôt pour nous achever. Très bientôt. On s'approche, Grunt. Sildaria protégeait ce qui se cache dans ce passage. Partez. On va se retrancher ici. Et tue tout ce qui bouge. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. J'ai mon flingue. Les Krogan, vous êtes prêts? Ah, j'aurais fait un autre truc, moi. Chance, c'est le nom de mon flingue. Là, ça aurait fait classe. Tu vois, pas de problème. Chance, c'est le nom de mon flingue. Doucement. Passage étroit. C'est quoi ça? Grunt, on a localisé le noyau central. Parfait. On vous couvre, Shepard.
Mais il est où le module d'alimentation? Là. Forte résistance. On y est. Que dalle, ouais, forte résistance. Dégager de lave. Ça fait de l'acide, ça. Veut-il marcher dedans? Je pense que ça doit me blesser. Comment exploser ça là? Allez, merci. Il faut franchir ces barrières. Allons de l'autre côté. Il y a d'autres modules d'alim. Allez, venez. Tiens, viens tâter de mon lance-flamme. T'as kiffé là, hein? Peut-être pas une portée aussi grande. Ah, ça fait mal le feu, hein. Ça en fait même super mal. L'ennemi était aussi implacable. Restez concentrés. Grenade! Oh, elles sont efficaces, la vache! Une petite pincée de grenade dans un tas d'ennemis! Fais pas le con, Garus! Grenade! Allez, tout le monde se soigne! Voilà! T'en fuis pas, toi! Ah mais il est pratique le pouvoir de Javik là, ça fait vraiment une onde de poison, dès qu'ils passent ils se font toucher. Mince, tu tires à côté. Quel gros naze. Je sais pas, les ratis reculent. Ils ne seront pas effrayés bien longtemps. Tuez-les. Bien reçu. Ah ouais. Je ne suis pas une reine, pas fière, je suis
seul. Je suis un monstre créé pour engendrer des enfants sans vie, des esclaves sans âme. Les moissonneurs ont créé une fausse reine. Les enfants savent que je suis libre. Ils ne m'entendent plus. Les moissonneurs vous ont créé pour nous détruire. Non, je ne suis pas une arme pour les machines. Je veux les détruire, les combattre. Ils ont pris mes enfants pour des esclaves. Les enfants vont nous détruire jusqu'au dernier. Shepard, ça commence à bouger autour de nous. Bien reçu, Grunt. Pouvez-vous contrôler vos enfants? Non. Non. Ils crient. Ils crient. Nous souffrons. Nous souffrons. Si je crée de nouveaux enfants, peut-être qu'ils écouteront. Shepard, elle est mal en point. Et même si c'était pas le cas, on peut pas lui faire confiance. Mes enfants arrivent. Libérez-moi. Je détruirai les machines. Libérez-moi. Shepard, vite! Si on reste là, la compagnie va y passer. Ah, on va l'aider à survivre, quoi que quoi. On change de plan. La compagnie Aralak va lui donner du temps pour s'échapper. Grunt, sortez-nous de là. Bien compris. Je me replie. Vous me paierez ça, Shepard. Commandant. C'est un ordre. Elle est trop précieuse pour qu'on la perde. On a besoin de tout le monde. Combattez moissonneur. On l'éliminera plus tard, au pire. Une reine s'échapper à la terre à nous aider. Hein. Par là pour la navette. Je les retiens. Tirez-vous de là, Shepard. Méga ouf, Grunt, quoi. Merde, Grunt, il est mort, enfin, on suppose. Cortez, on est les derniers. Passez nous prendre. Bien reçu, commandant. La navette attend. Oh non, il est encore là, quoi. Grunt. Personne a un truc à manger. C'est trop un ouf. Il s'est bouffé toutes les rachnies à lui tout seul. Je sais même pas pourquoi on a besoin de s'équiper d'armes, quoi. On a juste à le laisser partir. Vas-y, passe devant, Grunt, on te rejoint.
Il fait tout le boulot, quoi. C'est une brutasse. Une brutasse dans le grand sens du terme, quoi. Je suis en train de lire votre rapport sur la situation Rakhni, commandant. Ça aurait pu dégénérer très vite. S'allier avec ce substitut Rakhni était une manœuvre risquée. Loin de moi l'intention de refuser de l'aide, mais j'ai des réserves sur celle-ci. J'entends bien. Mais nous avons coupé l'approvisionnement aux moissonneurs de nouvelles troupes Rakhni et obtenu des renforts Krogan. J'appelle ça une victoire. Je dois y retourner, commandant. Faites attention à vous. Enquête terminée. Shepard, vous vous en êtes sorti. On dirait que j'ai raté un sacré combat. C'était pas beau à voir. Ça valait mieux pour vous. On a déjà eu de la chance de s'en sortir vivant. Je savais que vous y arriveriez, Shepard. Vous avez trouvé un accord avec cette chose ? S'ils redeviennent incontrôlables, c'est vous qui le paierez. J'entends bien. Il paraît que Grunt s'en est sorti avec quelques égratignures. On peut dire ça. On va le remettre sur pied et au combat. Tant mieux. Je dois m'y remettre. Tenez-moi au courant, Shepard. Commandant, j'ai vérifié les tests initiaux. Les cellules d'Eve acceptent les tissus du Krogan. Bien. Vous pouvez donc ranger votre lame. Le remède est prêt ? Pas encore. Il nous faut un porteur, un moyen d'insérer le remède dans la structure génétique d'autres Krogan. Vous n'avez pas eu de mal à les contaminer. Le remède est si différent que ça ? Non. Ce qui devrait jouer en notre faveur. Il y a un complexe sur Tuchanka qui pourrait nous être utile. Le voile. Mon gouvernement l'a conçu pendant la rébellion Krogan, après leur guerre nucléaire. Qu'est-ce que ça fait ? La tour diffuse des particules atmosphériques qui protègent la planète des radiations solaires. Mais ce n'était pas sa seule utilité. Nous l'avons utilisé pour répandre secrètement le virus du génophage, ce qui a mis fin à la rébellion Krogan. Faites attention à qui vous en parlez. Si vous voulez infecter une population entière, c'est le meilleur moyen. À moins de faire partie de cette population. Mais ça pourrait aussi sauver les Krogan. La souche originelle du génophage est stockée au complexe du voile. Elle peut servir à transporter le remède, et le voile à le répandre sur toute Shanka. Quel savant petit Pidjak. Voilà notre meilleure chance. Wix, finissez vos préparations et tenez-vous prêts. Certainement. Je serai à l'infirmerie avec Eve si besoin. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Pragmatisme plus 11. Ah, on a récupéré des Krogan quand même. On a récupéré les Krogan sans. Les clans Krogan ont accepté de jeter leurs forces considérables dans la bataille contre les moissonneurs. Leurs troupes d'assaut sont agressives, implacables et intrépides. Grunt, et on a la compagnie. Ouais, donc on peut encore améliorer ça. Les Galariens, bon, ils nous font un peu la gueule. Ex de Cerberus, le Creuset, Alliance, bah l'Alliance, oui, c'est ce qu'on a de plus pour le moment. Ok. Il veut me parler, très bien, on va aller parler. C'est où qu'il faut que j'aille pour la conférence? Ça va être par là. Qu'est-ce qu'il veut? Shepard. Alors, vous avez enfin débarrassé la galaxie des moissonneurs. On peut enfin respirer. Pas tout à fait, il y a eu quelques complications. Comme toujours, Hackett m'a parlé du Creuset. Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. Je ne sais pas comment vous gérez toute cette politique. Moi, ça me dégoûte. J'entends bien, mais plus ils se plaignent, plus ça veut dire que vous agissez. Et vous, quelle est la situation sur Terre ? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nouvelles de nombreuses villes à travers la planète. À ce point-là ? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres, je crois qu'ils sont encore sous le choc. Vous allez bien ? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis, on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie. Et les moissonneurs ? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes, ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous croyez pouvoir tenir ? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est organiser la résistance à l'échelle locale. Au moins, on ne manque pas de volontaires. Les gens ont conscience des enjeux. Rien de tel pour motiver un soldat que la perte de sa planète. Ou encore mieux, la volonté ferme de la reconquérir.
Faites attention à vous, Shepard. De même, amiral. À bientôt. Anderson terminé. Salut, Anderson. Réputation plus 2. Et bah là, il nous reste plus qu'à aller sur la planète des Krogan, parce qu'on a au moins 50 missions à faire sur la planète des Krogan. Si vous voyez ce que je veux dire. Si, on a dit qu'on allait changer d'armure. On doit encore évacuer une autre colonie. On en perd beaucoup. Par contre, les moissonneurs ne perdent pas grand-chose. Les moissonneurs n'ont pas de colonie. Cerberus non plus. S'ils en avaient... Putain, ils sont payés à rester debout et à se parler toute la journée. Putain, vous avez un beau boulot, les nanas. Commandant, Cerberus attaque des civils sur Beningue. On nous demande d'évacuer la planète. D'accord. Je veux aller... Ah bah non, dans le quartier du capitaine, s'il vous plaît. Allons dans le quartier du capitaine, s'il vous plaît. Et de là, nous allons changer d'armure un peu. Parce que le casque... Oh, mes jolis poissons! Bon, j'ai pas beaucoup de maquettes encore, faut que je repasse... Mais j'ai dit que j'économisais l'argent pour m'acheter des super armures, donc on va économiser l'argent pour s'acheter des super armures. Alors, casier d'armes. Ah, je l'ai l'armure du chevalier. Wouah! Armure Terminus. Bonus de santé, j'ai rien du tout. J'ai un bonus d'armure, bonus du bouclier, réserve de munitions, dégâts au corps à corps. Et l'autre? Ouais, j'aime bien celle-là, bon. Qu'est-ce que c'est, les? Rien. Pas de casque. N7. Oh, qu'est-ce que c'est, les? On va mettre pas de casque, on voit bien sa tête. Torse, est-ce que j'en ai récupéré d'autres? Oui, dégâts des pouvoirs. Bah, c'est bien, ça. N7, on va prendre celle-là, dégâts des pouvoirs, épaule. Dégâts des armes, dégâts à la tête. Ouais, pour le snipe, c'est pas mal. Dégâts des pouvoirs. Ok. Ouais, mais gantelet, c'est pour le corps à corps. Bon, on va prendre ça. Ok. Non, on va prendre l'armure là. Elle est trop belle. Armure de chevalier. Ah, mais c'est pour le corps à corps, je sais pas de corps à corps. Bon, on va prendre celle-ci pour le moment. Voilà. J'ai quoi ici? Ah, c'est mon système IFI. Les poissons, salut les poissons, salut les maquettes. J'ai combien d'argent? 71 000, donc j'ai quoi m'acheter une armure. J'ai de quoi m'acheter une armure. Eh oui, parce que c'était 50 et quelques mille l'armure. Donc la prochaine fois qu'on va aller à la citadelle, on va aller pouvoir claquer de la thune pour s'acheter une armure bling bling là qui est classe, qui est belle. Qui est bling bling quoi. Bon, on a de nouveaux messages, on va lire les messages. Ça va mieux. Ah, salut, je sais pas, toujours à l'hôpital, mais je marche, je mange de la nourriture solide et je donne du travail aux infirmières. Quel coquin! On va sans doute bientôt me jeter dehors. Passez me voir si vous êtes à la citadelle, même chambre. Ok. Commandant, j'étais ravi de vous revoir sur Kesh, mais si les circonstances étaient loin d'être idéales, le sort me semble vouloir nous réunir que lorsque la galaxie est menacée. Soit. À ce propos, je voulais vous reconfirmer que le GCI est à votre disposition en cas de besoin. Quel que soit le climat politique, vous avez été là pour nous quand on avons besoin. Ok, ça marche. Bon, bah, Ilou, on va s'arrêter là et on se reprendra. On ira sur la planète des Krogan parce qu'on a au moins 50 missions à faire sur la planète des Krogan. Et ensuite, je pense qu'on retournera à la citadelle claquer les crédits galactiques qu'on a gagnés en volant les pauvres gens qui se sont fait massacrer dans les colonies pour s'acheter des armures bling bling, des poissons et des hamsters de l'espace. Et oui, c'est comme ça. Allez, à plus, Ilou. Salut.